Alors, pour pratiquer avec les 90 maintenant, on va demander les nombres au hasard entre ces quatre colonnes. Alors, 83, 92, on entend le 12, alors on sait que c'est dans cette colonne. 44, 14, 81, on demande au hasard et les élèves 95 vont écrire. Ils doivent corriger après. 14, 44, 83, 81, 92, 95. Utilise le visuel avec les cartes et les nombres pour aider les élèves avec les erreurs sur place. C'est ça qu'on veut faire à chaque fois. Une fois que ça s'est maîtrisé là, on va demander les nombres de 14, 40, 80 et 90 dans une colonne au hasard. Alors, 82, 41, 14, 92, 46, 44, 95, 94, souvent ça c'est difficile, 84, et les élèves vont lire après, 82, 41, 14, 92, 84, en toujours en aidant. Si ça c'est trop difficile, il faut retourner en format de tableau. Avec le 14, 40, 80, 90, souvent, je vais avancer, je vais réaliser que c'est trop difficile, je vais reculer. Et si ça, c'est trop difficile, je vais reculer encore, 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 jusqu'à temps que c'est maîtrisé et c'est correct.